Salam alaikum, bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien, tranquille, vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, bien sûr, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager. Donc soyez les bienvenus aux nouveaux visiteurs, bien sûr. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news, de liker et de partager, de commenter pour me dire ce que vous pensez de cette recette. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on fait le pain de mie. Donc ça c'est le résultat de mon pain de mie. Voilà, très bien aéré, qui tient. Donc voilà, il a duré, bon, ça, je veux dire, le pain de mie, ça dure 2 jours. Donc voilà, donc c'est parti pour la recette. On va mélanger la levure sèche, le sucre, le lait. Vous avez les ingrédients sur la gauche, bien sûr la farine, et puis on va laisser lever tranquillement. Donc par la suite, bon, là normalement vous avez fait le levain, il a levé, donc on va passer à la suite. Donc les ingrédients sont bon, la farine tamisée, bien sûr, on va mettre tout dans le bol du robot, le beurre, l'œuf. Le lait, le levain bien sûr, que voici, et le vinaigre. Et on va mélanger le tout. Bien sûr, le sel, vous l'avez mis au départ pour le mélanger avec la farine. Donc là, c'est parti pour 8 minutes à peu près. 8 minutes, bon, 8 minutes, 5 minutes. Si vous avez le temps, laissez bien tourner pour plus... La pâte est bien travaillée, mieux c'est. Donc voilà, bien sûr, voilà. Donc savoir que j'ai fait cette recette, je trouvais que par rapport au moule, c'était peu, c'était pas assez plein. Donc c'est maintenant que vous n'avez pas le même moule que moi, il est beaucoup plus petit, je pense que ça devrait rentrer. Donc voilà quoi, la prochaine fois je mettrai 600 grammes de farine au lieu de 500 grammes. Voilà, donc là c'est bon, j'ai fini. Donc là j'ai travaillé vite fait, puis je l'emballe et puis je la laisse reposer. Et puis là c'est reposé, vous voyez, elle est très bien aéré, très bien, c'est bien reposé. Donc là je la déballe et puis je vais la travailler, bien sûr. Donc on va la rouler en boule comme ça vite fait, et puis on va la détendre et former un gros boudin, une grosse saucisse, bah, la forme du moule en fait. Donc voilà, donc là je beurre le moule et je le farine, bien sûr, qu'on va laisser reposer genre 20 minutes. 10 minutes avant, vous chauffez le four pour qu'il soit bien chaud à 180 degrés, et puis vous laissez cuire tranquillement. Voilà, donc là je l'ai mis dedans et puis je laisse reposer. Là c'est bon. Et là c'est cuit. Donc voilà, c'est mon premier pain de mie. Ben, ça va, je suis satisfaite du résultat. Donc voilà. Même s'il y a un côté qui est plus grand que l'autre, mais bon, ça c'est parce qu'il n'y avait pas assez de farine. Donc les quantités n'étaient pas adaptées au moule. Donc voilà. Donc voilà les amis, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetzimbladi. Partagez la question.